Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Resident Evil Révélation Live, la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation, on a perdu contact avec Chris et Jessica. Le signal a été perdu en pleine mer. Le Queen Zenobia. Ici, sur ce bateau. Aucun signe de vie. Mais je sens une présence. On dirait une arme. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Chris! Mais qu'est-ce que c'est? Ah. Génial. Merde! C'est un piège! Vous allez connaître la vérité. Vous allez pas les détails. Épisode 2. Double mystère. Salut, Yeti. Yeti, Yeti. Est-il là ou il était pas là? Quoi? Oh. Jill. Parker. Yes, sir, Bandy. Je sais pas. Dans une pièce, quelque part sur le bateau. Ce salaud a pris toutes mes armes. Tu peux joindre le QG? Non, les transmissions sont HS. On devrait se rejoindre. Est-ce que c'est bien vu, c'est excellent. Un blimp. Un bon bain relax. Il n'y a rien dedans. C'est bon. Une toilette pleine de merde. Oh, un tournevis. Vous avez retenu un tournevis. Esquive. Appuyez. Ou appuyer plus A avant une attaque ennemie pour esquiver. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Ah là. Lui est mort, Noé. Moi, je comprends pas le puzzle. Et voilà.
Putain de merde. Ah, ça a bien marché encore. Ce qui est là, c'est parfait, ça. Jill, tu peux pas te battre sans arme. Essaie de tout faire pour esquiver. Tiens, t'es pas obligé de me suivre, toi. Aïe aïe, colis de claque. Je saigne des balles. Hey, comment ça va, Bandy? Tu travailles à quelle heure aujourd'hui? École des chemins. Jill, tu vas bien? Ça va, mais le bateau est infesté de mutants. Ok, il va nous falloir nos armes. Je crois que je les ai vues en venant, et je pouvais pas les atteindre. J'ai besoin de toi pour les récupérer. Ça ira si on reste ensemble. Montre-moi ça. Oui, ferme-moi pas ton nez. Attends, il y a des monstres par là. Et j'ai trouvé ça. Tu crois que ça peut servir? Ouais, ça pourrait bien marcher. On va où? Les armes que j'ai trouvées sont juste devant. Vite. Qu'est-ce qu'il y avait un troisième? Jill, j'ai trop... Où sont nos armes? Elles sont là. Ben. Rien pour me remplir. Ah, ben j'ai peut-être du stuff. J'en avais plein des maudites. J'ai plus rien, je suis en mode mort. Maintenant, on contacte le QG et on leur dit ce qui se passe ici. On
devrait pouvoir y arriver depuis le pont. Allons-y. C'est là que j'étais enfermé. Eh hein. Au fait, il joue à quoi ce type au Mascagaz? C'est quoi son délire? Extérieur. Qu'est-ce que tu veux attacher de... Qu'est-ce que tu veux mettre dehors? Qu'est-ce que tu veux brancher? Ta tondeuse? Rien. Ben. Il faut une carte. Ces trucs se cachent dans tous les coins. Hmm.
Force d'un. Ah, liste, c'est toi des chemins. Ah, il faut trouver ça. Okay. Tabarnak. Bon, je pense que je suis mort, je vais toujours recommencer. Ah non, ok. Aide-moi pas, toi, là. Thank you.
Affreux comme tir, ça. Oh, Liz, c'est pas ça que je voulais faire. Barre de bateau.
Bon, on commence par ici. On a déjà été là, mais ça. Ah bah ouais. Mais elle est où l'ascenseur? Et c'est ça. Allez, on va vers le pont. Je suis supposé de recevoir mon moniteur aujourd'hui. Une étude de balles à pistolet. Je peux être en voir que ça vide. Le système est à HS. On peut pas changer de trajectoire. On est à la dérive. Ça vient d'arriver. Celui qui a fait ça doit pas être loin. Changer d'arme. Oh, vous avez plus votre bateau. C'est qui, toi? Pas un geste! Lâchez votre arme! Toi d'abord, Parker. Vous êtes qui, vous? What? Double mystère. La fin. On sait pas qui... Qui lui? Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Survivre à ça. Les rumeurs de leur réapparition sont donc vraies. Alors le piège tendu à Jill Parker, c'est
Merde. C'est un piège. Ouais, j'en suis pratiquement sûr. Nous allons chercher Jill et Parker. Rendez-vous en Méditerranée et on vous tiendra au courant. Pareil. Merde. Ce salaud a pris toutes mes armes. Tu peux joindre le QG? Non, les transmissions sont HS. Merde, on est coincé. Jill! Vous êtes qui, vous? Le fantôme de Veltro. Épisode 3. Resident Evil Révélation. Oh yeah. Un an plus tôt, Terragia. Ça fait mal, gamin? Non. Je peux encore me battre. T'apprends vite. C'est fini. La ville est condamnée. Vos efforts sont tout à fait louables. Voilà le signal que j'attendais depuis très longtemps. Au travail. Jessica, Parker, à vous. Les locaux ont été infiltrés. On ferme boutique. Préparez-vous à rentrer. Séparez-vous et rejoignez les listations sur le toit. C'est un ordre. C'est bon, chef. On y va. Le couloir avec Jessica. Le bleu, assure-toi qu'ils atteignent l'hélico. Ok. Parker, ils ont lancé la procédure d'évacuation. O'Brien ? Le BSAA s'est retiré. Il ne reste plus que moi, Général Morgan. Je tiens à vous dire que le FBC commet une énorme erreur, Général. Cela fait 3 semaines que nous luttons pour tenter de résoudre ce problème. Des vies ont été sauvées, d'autres perdues, beaucoup trop. Si nous attendons plus longtemps, notre cause sera perdue. Je suis sûr que vous le comprenez. J'ai bien peur que non. Détruire le site par satellite ne résoudra pas le problème. Nous allons perdre des preuves essentielles. L'utilisation du satellite a été approuvée. Nous pouvons réparer ces erreurs. Je suppose que vous avez tout prévu. Mais je doute fort que le FBC arrive à couvrir ses arrières sur ce coup. La justice divine va purifier la Terre. Vos solutions unilatérales vont donner naissance à un nouveau Veltro, voire à plusieurs. Oui, c'est un risque. Les hommes comme nous existent grâce à ce genre de groupe. Et vous allez laisser tous ces gens mourir. Vous avez terminé, directeur O'Brien ? Soldats, vous connaissez les ordres. Oh oui. En position. Raymond, avec moi. Oui, chef. Tu penses que c'est la fin ? Non, pas si on descend ces salauds avant. Voilà. Tire! Je ne pense pas qu'on y arrivera à deux. On n'a pas le choix si on veut s'en sortir. Après ça, on fonce à l'hélico!
pas les retenir. Le monde entier va bientôt être con. Tout le monde associera Velcro et terrorisme. Je crois que c'est ce qu'ils espèrent. Désolé de t'embarquer là-dedans. C'est bon, mais tu me dois un dîner au resto. Et je prendrai du homard. Du homard ? Oh. Merde, déjà en panne ! C'était le dernier ascenseur en Nouvelle-Marche. En fait, je suis pas sûre de vouloir prendre l'escalier. Oh, des balles. Des balles, des grenades. L'arsenal. Oh, l'arsenal, c'est l'arsenal.
Qu'est-ce que tu penses de ce O'Brien? Le directeur de BSAA? C'est pas mon type. C'est pas ce que je voulais dire. Je crois qu'il a raison. Il faut qu'il tienne tête au général Morgan. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'appartenir au FPC déforme le jugement des gens. On croirait l'entendre. Enfin, quand même, j'aimerais bien me battre du côté des gentils. Les gentils. J'aime bien ce jeu-là, j'aime... Oh, calé. Je vais changer de gun. Bizarre qu'il y ait autant de balles. Je crois que
c'est toi qui les attire. T'es bien trop sexy. Que t'attends ? Damnache ! Bon sang, j'ai cru qu'il allait encore s'arrêter. Non, c'est bon. Mais c'était dingue. J'arrive pas à croire que Morgan... décidé de détruire la ville avec le satellite solaire. Comme pour Raccoon City. Ouais. Rayé de la surface de la Terre. Demain matin, Terra Grigia ne sera plus qu'un nom dans les livres d'histoire. On a fait tout ce qu'on pouvait, hein ? Je l'espère. Est-ce que j'ai déjà manqué à ma parole ? Grouillez-vous, il faut y aller ! Ok, les femmes d'abord ! Bon. Ouais, satellite. Déclenche une réaction en chaîne. Regarde, la ville. Hmm.
Terra Grishia disparaît. On est venu. Mais trop tard. Trop tard, Bendy. Trop tard. On est venu. Trop tard. Trop tard, Bendy. Trop tard. Je t'avais dit. Raymond ? C'est toi, pas vrai ? C'est toi, pas vrai ? Le BSAA. Un peu trop tard. Qu'est-ce que le FBC fait ici ? Réponds-moi, Raymond. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est pas le moment de se battre, on doit... Arrête un peu. Vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, ni contre qui. Raymond, ne bouge plus. Rien ne change si on ne se salit pas les mains. Alors le FBC aussi est sur ce bateau. Qu'est-ce qui se passe ici ? On n'a aucune information dans cette affaire. Il faut fouiller le bateau si on veut des réponses. Je m'en serais bien passé, mais bon. Oh, la clé de la barre. Bon, mon moniteur est arrivé. Pour la shotgun. Histoire de Queen Zenobia. Les passagers sont sans fort. Le royaume de la flotte de Paraglin a été construit en 1978. L'intérieur s'inspire des paquebots des années 30, l'âge d'or des bateaux de croisière. L'agencement suit les plans dessinés de George Trevor avant sa mort. Les journaux datant de l'époque de la construction relatent les nombreuses éloges rapportent par ce design. Le navire tient son nom de Zenobie.
La reine de l'Empire de Pelmire, qui fut renversée par les Romains, fidèle de la beauté de la reine elle-même, ce navire est aussi appelé la Perle de l'Atlantique et reste un des navires de croisière les plus populaires du XXe siècle. Le trafic aérien ayant surplanté les longs voyages en mer, le Queen Zenobia et son navire jumeau semblaient destinés à la fin des années 80. Fort heureusement, il fut racheté par le Paragast Line. Ses turbines d'un vapeur furent remplacées par un système de propulsion diesel électrique. Sa cale et ses cabines furent agrandies et les technologies de pointe firent leur apparition. Le Queen Zenobia pouvait commencer sa vie de bateau de croisière de luxe après sa rénovation. Le Queen Zenobia entama une croisière autour du monde, une autre autour de l'Amérique du Sud, puis il multiplia les voyages. Bientôt, son port s'attachera à la Méditerranée, d'où il partira pour des croisières autour des côtes africaines. Le Queen Zenobia va faire le bonheur de bien des passagers dans les années à venir. Histoire de Queen Zenobia, édition de 1995. Plus belle histoire, j'ai lu ma vie. Ah. Ça sent les bibites. Quelle heure, elle a dû être morte douloureusement. Toujours bien d'avoir des cartouches. Tu gelé là, lui, ou quoi? Le pack. Vous devez trouver une salle de transmission d'urgence en traversant le hall. On devrait aller dans la salle de transmission d'urgence pour essayer de joindre le QG. Ok, on doit trouver Raymond. Comment tu le connais? On travaillait ensemble. Ça s'arrête là. VXRT2, what's up?
Non, ça faut une carte. Ah, c'est un nom, ok, je comprends. Bon. Ah, il y a une autre là. Retrouvé dans la chambre 303. Mais qu'est-ce qui se passe? Des monstres ont envahi le bateau et ils sont en train de tout détruire. Je n'ai jamais vu des semblables. Ils se déplacent avec raideur, mais quand ils nous attrapent, c'est la fin. Cet enfoiré a mangé mon ami Hassan, les ordures. Je leur ai tiré dessus, ça m'a fait gagner du temps et j'ai pu m'échapper. La balle a traversé le bras de l'un d'eux. Ces monstres ont les os aussi fragiles que du verre. Je ne peux plus m'enfuir maintenant. Ces créatures ont bousillé ma jambe, bon sang. Je suis à court de balles. Dieu seul sait comment je vais pouvoir m'en sortir.
Ok, qu'est-ce que je fais? J'ai pas la carte. Message abandonné, mon Dieu, aidez-moi, ça ne peut pas être vrai. Je ne laisse pas mourir dans cet enfer, je ne peux pas fuir, les monstres sont partout, ils sont réels. Les autres sont tous morts en mourant et il n'y a pas de survivants. On va tous y rester. Amen. Lecteur de cartes. La carte est où? À l'attention de tous les membres de l'équipage du personnel, le Queen Zenobia est un paquebot de plaisance offrant des passagers les services de confort, des grands hôtels de classe mondiale, de nombreux équipements et des services sont à disposition des clients. En tant que membre d'équipage, vous devez de connaître toutes les installations de ce navire. La liste qui suit présente les installations principales. Veuillez la lire attentivement. Le hall de promenade est environ 1500 m². Le hall de promenade sur le navire est le plus vaste du monde. Il comprend trois niveaux. La décoration intérieure est de style gothique et les plafonds sont ornés de lustre. Le hall rivalise en beauté et en style avec les plus grands opéras du monde. Le casino est situé à côté du hall de promenade. De nombreuses distractions y attendent les invités, notamment jeux de cartes et machines à sous, toutes les joies. Un grand casino, ils sont disponibles 24 heures sur 24. Les restaurants et les boutiques du hall sont parsemés de boutiques de luxe et de grandes enseignes du monde entier. Nos invités peuvent venir se détendre dans un des nombreux bars et restaurants des boutiques qui proposent également tout dont des passagers pourraient y avoir besoin. Les salles de transmission urgentes. La salle des transmissions d'urgence est située à côté de la promenade. Elle sert de point de rempart, rassemblement en cas d'urgence. L'équipage peut utiliser des envois et un appel de détresse si nécessaire. Les panneaux de verre de solarium surplombent la plus grande piscine jamais construite sur le bateau. Faites attention, il n'est pas rare que les couples essaient d'y pénétrer après les fermetures. Je peux pas l'ouvrir, j'ai pas la carte.
Ah. Salut P Mario, comment ça va? Ça, c'est ce que j'appelle un bateau de croisière. On se croirait dans un opéra. Voyons voir où se trouve la salle de transmission d'urgence. Jill, quelqu'un a laissé un mot ici. Ne laissez pas passer de la salle de transmission d'urgence. Ceci est la salle de transmission d'urgence. Personne ne peut y entrer sans la permission et sans la clé. Vous trouverez le pan de promenade pour tout requête. Votre officier de transmission, un message griffonné. C'est de la merde, bateau grouille. Le bon, c'est de cingler. Je vais sur la promenade. Au moins, je trouverai un truc à manger là-bas. Il y a un survivant, il y a, rejoignez-moi, vous savez où me trouver, je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Je vous le dis, j'espère que je ne suis pas le dernier, votre officier. Le pont promenade est juste à côté du hall. Allons-y. On devrait pouvoir trouver cette fameuse clé. Qu'on a trouvé le pont promenade. Et on n'a pas encore trouvé un survivant. Salut Bruno Wernsteinsteiner. Thank you.
Ah, je suis mort. Zut. Salut Joshua, salut Conley Nerdsquill. Zut. Cette créature est l'officier de transmission. Et en toi, Carlis.
J'ai bien fait de monter sur la promenade. J'ai assez mangé et à boire pour un bon moment. Attends encore des choses là dehors. Et griffe la porte et recherche une proie, mais elles ne rentreront pas. J'ignore s'il y a d'autres survivants, mais je pense que je vais m'en sortir. Merde, ces saloperies ont réussi à rentrer dans la conduite, mais je vais leur faire la peau avant qu'elles fassent quoi que ce soit. Je me suis entraîné dur au cas où j'arrivais. Je suis fier de moi. Heureusement, j'ai été réveillé quand c'est arrivé, et à partir de maintenant, je ne dormirai plus profondément. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit après de petites fêtes surprises d'hier. Il y avait d'autres survivants fatigués. Aujourd'hui, je ne sens pas très bien. J'espère de ne pas être malade. J'aurais pas dû bouger. Je dois garder les forces. Enfin, je crois que j'ai fait une fièvre. J'espère que les monstres ne vont pas me trouver. Je comprends plus. Est-ce que je suis infecté ou est-ce que c'est juste un rhume? J'ai une bosse sur la tête. Ça me fait mal. J'aimerais avoir quelqu'un à qui parler. Je suis seul. Ça fait combien de jours? J'ai trouvé quelqu'un à qui parler. Je suis content. Il est très drôle. Il connaît plein de bonnes histoires. Plein. Ils sont très drôles, je ris, son visage est trop proche du mien. Ils pensent pareil, on ne peut plus bouger, on s'est disputé, ils voulaient tout manger, ils mangeaient de la viande. Et vu sa tête, il mâchait, mangeait, pas de viande pour moi, ça a l'air bon, sa tête a l'air bonne, au secours, je ne peux plus prisonnier. C'est plus moi, c'est qui et moi, à l'aide, pitié à l'aide, m'aider, m'aider, venez m'aider, viande, manger. Ah, ça tombe tout le temps. Faut vraiment que je tue juste lui.
Je viens de comprendre comment il faut faire, mais il est trop tard. Bon, on va arrêter ça là. Alors, c'était tout pour l'aventure du jeu. Resident Evil Révélation live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah.